Bonsoir à toutes et à tous. Il est 19h, c'est Magie Jazzy, c'est donc maintenant. Alors ce soir, je vais vous parler d'un effet dont vous avez déjà vu une vidéo il y a quelques semaines. Just Joking, issu de ce livre Sankey en liberté de Jay Sankey. Pourquoi je reviens sur cet effet? Tout simplement parce que c'est un tour que je fais maintenant en prestation professionnelle. Seulement, à la fin, je me suis dit « Ah, peut-être qu'on peut aller plus loin ». Et un soir, j'ai testé quelque chose. Et ça a eu un impact incroyable sur les spectateurs. Alors j'ai décidé d'ajouter donc mon coup de patte à ce tour « Just Joking » de Jay Sankey. Et je vous livre donc ce soir ma variation sur cet effet. Vous avez pu remarquer que chaque vidéo, eh bien, j'utilise un jeu de cartes différent à chaque fois pour vous les faire découvrir aussi. Ce soir, c'est un clin d'œil à un monsieur qui m'a fait un cadeau pour Noël. Et c'est monsieur Christian Rod. Voilà. Donc je fais un petit clin d'œil à Christian. Je sais que tu me regardes tous les samedis. Et promis, un jour, je vais même proposer un effet de ton répertoire. Ça sera dans les semaines à venir. En attendant, le jeu de cartes, tu le connais bien. Voilà, Christian, je vous invite à découvrir son travail. Il a beaucoup écrit dans la revue Arcane, mais je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite à toutes et à tous un très très bon week-end, un très bon samedi soir et surtout un très très bon visionnage. Et je vous dis à très vite. Salut. Just Joking, donc un jeu de cartes. Donc pique, cœur, trèfle, carreau, d'accord. Jusque là, ça va. Donc le spectateur, souvenez-vous, hein, choisit une carte. Deux de cœur. Alors comme il choisit une carte rouge, eh bien on va se dire tiens, on va travailler déjà avec les as rouges. On perd d'abord la carte du spectateur, deux de cœur dans le milieu du jeu. On laisse les as noirs juste là. Et on va s'amuser avec le premier as. Donc l'as de, en l'occurrence, l'as de cœur que je fais disparaître. Juste comme ça. Premier as, disparu. Deuxième as. Deuxième as, on y va, à vue, hein, juste comme ceci. Voilà, donc pas dessus, pas dessous. En revanche, si on cherche, normalement. Oui, dans le milieu du jeu, souvenez-vous. En principe, il y a une carte qui s'intercale entre les as rouges. Ça tombe bien, c'est la vôtre, hein, c'est le 2 de cœur. Alors c'est quand même assez étonnant, hein, c'est ce que je dis toujours aux spectateurs, que votre carte, le 2 de cœur, est venue s'intercaler pile poil. Entre les deux as, une, deux, trois cartes. Donc on va retourner le premier as rouge comme ceci. Votre carte au milieu, le 2 de cœur. Et dessous, le deuxième as rouge que je retourne comme ceci. Ce qui fait que votre carte est face en bas entre les deux as rouges. Regardez bien, ça va très vite. On fait juste ça. Et instantanément, la carte disparaît d'entre les as rouges. C'est normal, elle revoyage instantanément aussi dans le milieu du jeu. N'est-ce pas ? On se retrouve avec, bien sûr, le 2 de cœur. Mais tout ceci n'est évidemment qu'une illusion. Oui. Car si on prend juste le 2, on frotte un peu sur la boîte, on s'aperçoit que ça change en 6 de trèfle. Et oui, c'est là où c'est surprenant, n'est-ce pas? Alors, souvenez-vous que nous avons utilisé les as rouges. Il nous reste là, donc, les as noirs. Eh bien, on va le faire un petit peu comme ça, juste avec les as noirs. Hein. On va essayer de faire apparaître une carte entre les deux, comme ceci. Une carte, et ça tombe bien, c'est évidemment le 2 de cœur.